afraid the district attorney won't recognize Miss Richards when he finds her a withered mummy. Commissioner's been alibying his failure to turn up anything in these purple death matters. You remember the commissioner and I have cleaned up crime waves in this town before. Yes. That mysterious Captain America did most of your work for you. I feel certain that this new crime wave will bring him out of hiding to help us. Where's Gail Richards? Well, you'll never find her. Notre menu spécial. Vous allez assister à la fin de votre monde et à la naissance d'un ordre nouveau. Ouais! J'ai dû mettre trop de piment dans le hachis. Relâchez ce simulacre de volaille. Rapportez la clé du code, Ward. Dak! La clé du code. A passé l'inspection. Punisher. Sans avertissement. Sans pitié. Il extermine les coupables. Punisher. Louis Gossett Jr. Dolph Lundgren. Sortie nationale le 25 octobre. Pages of the world's greatest comic book adventure. Four heroes on a daring mission in space, but something went wrong. Genetically transformed, they become the most powerful superheroes of all time. Forces of evil are out to destroy their cosmic power. Find them! And to survive, they must utilize all their strength. To put an end to their arch nemesis. Doom? It's Clobbera time. The Fantastic Four. Ce soir, ils s'éveillent. Une race secrète, cachée ici, parmi nous. Avide de pouvoir. Nous devrions gouverner les humains. Que rien n'arrête.
Le monde nous appartient, à nous, pas aux humains. Ils n'ont peur de rien. Si ce n'est... Ce soir, il n'y a plus d'entre-eux que les vampires. C'est quoi ? C'est moi. Il y a une guerre qui se déroule là-dehors. Blade et moi, on en éliminera autant qu'on en trouvera. Mi-humain, mi-immortel. Je sais tout de toi. Tout, Blade. Il est le seul à détenir le pouvoir des deux mondes. Tu as toutes nos forces. Aucune de nos faiblesses. Quand le monde des vivants touche à sa fin, il est le seul à pouvoir inverser le cours des choses. Pour moi, tu n'es rien d'autre qu'un vampire mort de plus. Wesley Snipes, Stephen Dorff. Ils fabriquent les armes. Je les utilise. Blade. Where'd you get your guinea pig? Happens to be the best damn candidate out of 600 volunteers. A secret experiment gave one man the strength of 100. The rest of the world, he's just codenamed Captain America. And the power to save millions. The Jerry's have an experimental rocket ready to fire at a target somewhere in the United States. Only he could defeat a superhuman madman. They got a fella called the Red Skull heading up their outfit. All we can hope to get in there is one good man. But saving the world left him trapped in an icy grave until fate released him to finish a battle started decades ago. Yeah, he's still alive. We don't know where he is or who he is. Now, an evil genius is on the verge of global domination. Captain America, you gotta help us. And only Captain America can stop him. Ronnie Cox, Ned Beatty, Darren McGavin, Kim Gillingham, Scott Paulin as the Red Skull, and Matt Salinger as the Marvel Comics hero, Captain America. Il y a un monde au-delà de celui que nous connaissons, où le pouvoir des ténèbres ne craint personne, sauf un homme. Arrêtez ! Blade. Nous représentons l'autorité de la nation vampire. Ils vous proposent une trêve. Ils veulent vous rencontrer. Tu es sûr de ce que tu fais ? Ça va nous emmener très loin. Maintenant, ceux qu'il a juré d'exterminer ont besoin de son aide pour combattre une nouvelle espèce maléfique. Ils ne sont plus l'espèce dominante. Nos forces sont prêtes à combattre, mais il nous faut un chef. Si j'ai bien compris, vous voulez que je les traque. Pour vous ? Oh, ça m'excite. 5, 4, 3, 2, 1. Sois proche de tes amis, et encore plus proche de tes ennemis. Me voici, Blade. Wesley Snipes. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire! On n'est pas tous destinés à changer le monde, mais pour moi, mener une vie ordinaire n'est plus vraiment envisageable. Thank you.
sauvé la vie 2 fois et je n'ai même pas vu son visage. Vous êtes étonnant. Je hante les toits et les ruelles la nuit. En quête de justice. Une justice aveugle. Un démon gardien. J'avais 12 ans quand j'ai perdu la vue. Mais j'ai gagné quelque chose en échange. Les 4 sens qui me restaient étaient dotés d'une acuité surhumaine. J'entendais un murmure du coin d'une rue à une autre. Mais le plus incroyable, c'était cette sorte de sens radar. Bientôt, le monde saura la vérité. Il n'y a pas de preuve de l'existence de Daredevil. Un homme seul peut changer les choses. Qu'est-ce que tu veux ? La justice. Matt Murdock. Enchanté, Matt. J'ai pas saisi votre nom. Je ne vous l'ai pas donné. Vous voulez vraiment pas me le dire ? Je m'appelle Elektra. Je vous laisse. Mon garde du corps attend. Votre garde du corps ? Dans une ville dominée par la peur. Le caïd ne se contente pas de vous tuer. Il tue toute votre famille. Un homme devra relever son plus grand défi. Appelez-moi le tireur. Daredevil est à moi. Était-ce bien nécessaire ? Nécessaire ? Non, c'était pour le fun. Et un nouveau héros verra le jour. Daredevil réclame son dû ! Comment tuer un homme qui n'a pas peur ? En faisant naître la peur en lui. Les rues de New York ne sont pas sûres ce soir. Je dois partir. J'ai du travail. Ben Affleck. Comment est-ce que je vous retrouverai ? Je vous retrouverai. Daredevil. Y a-t-il autre chose ? Ouais. Bruce ? Que s'est-il passé hier soir ? Je n'avais jamais fait un rêve aussi troublant. C'était comme venir au monde. Remonter, respirer. La lumière heurtant mon visage. Ce hurlement. Mon cœur qui bat. Boum. Boum. Betty, qu'est-ce qui peut bien m'arriver ? Je n'en ai aucune idée. C'est inexplicable. Après avoir été exposé à une telle dose de rayon gamma, vous devriez être mort. Sors de là ! Vous êtes bien vivant ? Peut-être parce que t'es pas tout à fait comme nous. Il y a trop de choses qui vous échappent, Mademoiselle Ross. Mon fils est unique. Et parce qu'il est unique, le monde ne lui pardonnera pas d'exister. Mon Bruce. Je pense que la colère est à l'origine des mutations. N'est-ce pas un peu tiré par les cheveux ? Il y a un moment que nous avons franchi ce stade, si tu veux mon avis. Nous avons affaire à un monstre. C'est un être humain, pas un monstre. Je vais l'isoler, m'en occuper moi-même, et je le tuerai avant qu'il ne commette l'irréparable. Tu serais vraiment prêt à détruire une partie de toi-même ? Ça, j'en doute. Tu m'as trouvé. C'était pas difficile. Vous savez ce qui m'effraie le plus ? C'est quand je ne peux plus lutter. Quand je perds tout contrôle. J'adore ça. Il va falloir que l'on prenne garde à tes humeurs changeantes.